4 et 1, on avance sur 2. 3, chassez. Tcha, 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 en arrière. 2. Si l'on apprenait le tcha-tcha avec une star. Parmi la soixantaine de danseuses et quelques danseurs, ce samedi à Adol, on compte surtout des fans de Elsa Bois. 5 fois championne de France de danse latine, la jeune femme de 23 ans est connue du grand public pour sa participation à une émission de télé à succès en 2011. La plupart des stagiaires sont originaires du département, mais certaines ont traversé la frontière. Ça doit être la 7e ou 8e fois que je fais le stage d'Elsa. Là, on a fait 4h30 à peu près de route, et bah, des fois si je vais à Albi ou Bordeaux, bah, je prends l'avion, donc ça prend bien toute une journée. Pourquoi avec elle ? Elle a pratiquement mon âge, elle est 2000, moi je suis 2001, donc c'est vrai que de là, bah, je sais pas, il y a beaucoup de proximité en soi. Une proximité que la danseuse entretient avec son public, généralement jeune. Outre les photos et dédicaces, Elsa Bois aime surtout partager sa passion. C'est quelque chose qui est assez génial parce que moi je danse depuis que j'ai 4 ans, donc j'ai pris des cours de danse toute ma vie. Et en fait, de passer de l'autre côté et de pouvoir aller un peu partout en France et donner des cours à des gens qui ont déjà fait de la danse, des cours à des gens qui débutent, des cours à des gens qui se remettent au sport, en fait c'est génial d'avoir dans ces cours cette diversité-là et de pouvoir transmettre à mon tour ce qu'on m'a appris. Les stages de jive et danse latine, au prix de 40€ chacun, étaient organisés par l'école All Dance, basée à Adol, Uxeni et Chantraine. 3 licenciés du club vont bientôt partir pour la République tchèque où se déroulent les championnats du monde. Les sœurs Louise et Jeanne Dieudonné vont participer en duo. C'est vraiment une concrétisation à l'année là. C'est vraiment, je vais représenter la France et on n'est pas beaucoup en plus à participer, donc vraiment c'est important. Des événements qui offrent aussi une vitrine pour le club adolé, actif depuis une 20aine d'années. Il compte cette année 250 inscrits.